Je m'appelle Rigo, bonsoir. On est ici au restaurant L'Ambiance, 16 avenue Eugène Schuller. C'est la fête aux couleurs du Portugal. Et vous portez un costume traditionnel du Portugal. Vous êtes responsable d'un groupe, de culture portugaise. Est-ce que vous pouvez un peu présenter à nos lecteurs de mondonnet.com quel est votre groupe, depuis quand existe-t-il et quelles sont les activités qu'il entreprend? Alors, le groupe existe on va faire nos 40 ans là, en 2013. Et donc, c'est un groupe qui fait énormément de... On représente Miss Pomme, on représente aussi bien sûr notre région du nord du Portugal, qui est Viana do Castelo. D'accord. Et donc oui, bah, je suis habillée avec la tenue, une des tenues traditionnelles du Minho. D'accord. Donc, quels sont les types de représentations que vous faites avec votre groupe? Est-ce que c'est du chant, est-ce de la danse? Est-ce que c'est strictement culturel? C'est de la danse, c'est du chant, c'est de la musique. On fait beaucoup de présentations, dans des festivals folkloriques. Et puis aussi parfois comme ça dans des restaurants, dans des maisons de retraite, il y a des mariages. Et dans quelle ville vous présentez? C'est surtout à Lunet-sous-Bois ou c'est un peu partout? Tout en Île-de-France, d'accord. Et on est déjà parti à la campagne, hors Île-de-France. Ça dépend. Et quel était l'accueil des habitants, de ceux qui vous ont rencontré, chaleureux? Complètement. Je suis content de voir des costumes de la région du Portugal. On essaie de leur expliquer comment on habillait, nos danses. Donc, non, très chaleureux. Donc ici, c'est votre première dans le restaurant L'Ambiance, si j'ai bien compris. Est-ce que vous serez prête à retenter l'expérience l'année prochaine? Ah bah, si Vanessa nous invite, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, bonne chance pour votre prestation ce soir. Toutes mes félicitations pour votre joli costume. Merci beaucoup. Et... À la prochaine fois. À la prochaine fois, peut-être sur monolevé.com. Voilà. Merci.